Bonjour à tous et à toutes, me revoili, me revoilou. Donc, ça fait peut-être bien une bonne semaine que je ne vous ai pas mis de vidéo. Je vais vous faire un haul, encore un haul. Je suis allée plusieurs fois à Action, j'y suis allée le 2 février, le 4 février. Je suis retournée le mardi, on était le combien, le mardi 9, 8 6, 7, 8, ouais, le mardi 8 février. Donc j'ai été dans les Actions de Saumur, de Chemillé, et le 8 février j'étais à celui de Cholet. Donc je vais vous faire voir un peu ce que j'ai acheté dans tous ces jours là où j'ai fait des petits tours chez Action. Donc je vais commencer par le début, le 2 et le 4 février. Donc À la semaine du 2, je crois, il y avait donc ces rangements. C'est des rangements. C'est des rangements pour le maquillage. Donc j'en ai pris un pour essayer de faire du rangement par rapport à mes outils de scrap et tout ça. Donc voilà, je m'en suis pris un comme ça. Il était en promotion, c'était la promotion de la semaine il y a 2 semaines, quoi. Donc, est-ce que j'ai le ticket de caisse? C'est pas sûr, ça. Parce que je pourrais peut-être pas vous dire les prix. Hop là. Il y a le ticket ou pas? Je vais peut-être pas trop vous embêter à chercher mon ticket. J'ai encore rien préparé, je prépare jamais rien. Je ne prépare jamais rien, non. Alors, est-ce que j'ai le ticket de caisse? C'est pas sûr. Je suis en train de déballer. Je déballe. Tiens, il y avait des promotions là-dessus aussi. Promotion. Tout n'était pas en promotion. Donc là, j'ai tout sorti, mais forcément, il n'y a pas de ticket de caisse. Donc je ne saurais plus vous dire quel prix c'était. C'était moins de 2 euros, ça c'est sûr. Mais si ça se trouve, c'était 1,99€, quoi. C'était en promotion à l'époque. C'était il y a 15 jours, presque. Demain, ça fera 15 jours, quoi. Donc, je suis allée... Alors, dans le rayon enfant, j'ai repris un petit papillon comme ça. Parce que j'ai revendu celui-là que j'avais acheté l'autre jour, donc je m'en suis repris un. Il n'y en a plus maintenant dans les rayons enfants, les diamond painting porte-clés, j'en trouve plus. Après, c'est pas grave, j'en cherche pas non plus, j'ai trouvé ce que je voulais. Voilà, donc ça c'était 99 centimes. Dans le rayon bricolage, j'ai pris les petites choses comme ça, les caoutchoucs là, pour la plaque métallique, pour pas qu'elle bouge sur ma plaque de verre. Donc je vais mettre ça, je vais en mettre, je verrai bien. Alors ça c'est pareil, je peux pas vous dire le prix, je sais pas ce que j'ai fait des tickets. Ils sont peut-être dans mon sac à main, je sais pas. C'est jamais très cher, vous connaissez, c'est Action. J'ai pris de la corde bleu et blanche comme ça. Pourquoi, je sais pas, comme ça, ça m'a pris. Il y a 20 mètres, 3 mm. Je dis, oh c'est joli. Ça c'est moins d'un euro. Et puis j'ai pris du vert. Parce que c'est pareil. Oh, c'est joli! C'est joli, je prends. J'ai pris des crayons comme ça, pointe fine, de toutes les couleurs, pour essayer quand même de me faire un cahier. Mais il faut que je me tienne. Quand je commence quelque chose, j'arrive jamais à aller jusqu'au bout de ma... J'abandonne vite, quoi. Kiki, là, j'abandonne tout. J'ai même abandonné mon kiné, c'est dire. Donc, je peux pas vous dire le prix. C'est des pointes fines. Je les ai pas essayés. Je les ai pas essayés parce que vous voyez, j'ai acheté ça la semaine du 2-4 février et c'est resté dans le sac. J'ai pris ça. Alors ça, c'est pour mettre sous les pieds de chaise. Parce que j'ai ma chaise qui est dans la cuisine, qui salit mon carrelage, quoi. Ça doit être usé, donc je vais en remettre. Je vais essayer d'en remettre, je vais le faire toute seule. Normalement, c'est autocollant, on coupe la grandeur qu'on a besoin. C'est, je sais pas comment ils appellent ça. C'est des feutres de protection pour mettre sur les pieds de chaise. Enfin, sous les pieds de chaise. Voilà, en promotion, il y avait les décolores machin.
Bah ouais, hein, parce qu'on mélange tout le linge. Alors, bah, des fois, on trouve des linges. On trouve des trucs bizarres. Des trucs qui étaient blancs qui deviennent tout roses. Après, c'est pas gênant, gênant, mais bon. Quand on a un t-shirt blanc. Il est blanc. Non, il est noir. Quand on a un t-shirt qui est d'une couleur, puis qu'on le retrouve d'une autre couleur, c'est pas top. Tiens, bah, je finirai ça par ça. Dans le rayon enfant, j'ai pris ceci. Alors, c'est à monter soi-même. Il y a une petite guirlande, avec une guirlande qui fonctionne à pile. Il y a des différentes choses. Ça, c'était autour de... C'était moins de 3 euros, 2,69 euros ou 79. C'était quelque chose comme ça. Donc, ça marche à pile. Alors, je vais le faire. Je vais le faire et puis c'est pour offrir donc à la petite fille de mon aide ménagère qui va bientôt avoir son anniversaire. Dans le rayon, je sais plus trop dans quel rayon que c'est, j'ai trouvé, je les ai trouvés, ouais, j'ai trouvé. J'ai pris deux sacs comme ça. Parce que j'ai vu Zabou qui fait un junk et ça me donne envie de faire aussi. Oh là, ça tombe. Ah, fait boum par terre. Non, c'est pas par terre, c'est sur la table. Je vais peut-être remettre dans le sac, du coup. Donc, c'est pour faire les junk. Donc, j'ai pris celui-là qui a les cœurs rouges. Et puis, j'ai pris un comme ça. Donc, pour l'instant, j'ai pas encore commencé. Faut que je finisse ce que j'ai commencé. Hein. Y a pas. Hein. Il va falloir finir des trucs avant de commencer autre chose. C'est pas possible, je fais pas tout comme je veux ou comme il faudrait. Hop, ch'toum ch'toum. Donc j'ai pris ça pour teinter le papier avec du café. Alors les lingettes, bah, mon aide ménagère va les récupérer. Et, oh, des lingettes. Ouais, mais la bouteille à moi. Je sais plus combien ça coûte. Hein. Je ne sais plus. Et puis je m'étais quand même dit que je ne prendrais plus de blocs. Ouais, j'ai craqué pour ce bloc-là. Alors, je vous fais pas trop voir, ou si je vous fais voir, j'en sais rien. Ça va durer une plombe si je vous fais voir. Alors ça, c'est avec du foil, donc ils sont à 2,69€. Et c'est des petites têtes de... Comment c'est ces petites bêtes-là? Ça ressemble à des ours, mais c'est pas des ours. Ah, panda. Panda. Donc, hein. Hop. Hop. Je fais de la gymnastique en même temps. Hop. Hop. Alors, il y en a qui ont du foil et il y en a qui en ont pas. Hop. 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 Et hop. À pas faire hop hop à chaque fois. Alors je l'ai pris parce qu'il y avait des petits chiens. Et des petits chiens. C'est pour ça que je l'ai pris moi. C'est quand j'ai vu les petits bouts de chiens. Des petits chiens. Hop. Des ronds. Avec du foil. Des ronds. Sans foil. Ça c'est quoi? Des citrons. Sans foil. Des citrons sans feuilles. des marguerites avec du foil. Des marguerites avec du foil. Des marguerites sans foil. Du foil sur du jaune. Du gris sur du jaune. Les petits pois. Les petits poissons gris, les petits poissons rouges. Là, il y a des petits pandas. Pandi, panda, tadi, tadi, dada, tadi, dada, sans foil. Foil, foil. Ça fait mal aux yeux, ça. Les rayures, comme ça, j'ai toujours du mal avec les rayures. Pas foil. Petit caca. Petit toutou. Petit toutou. Il y a deux fois la même page. Là, avec du foil. Sans le foil. Pote toutou avec des points noirs. Youpi. Je sais pas si vous avez grand chose.
Il est fait comme ça. Des petites marguerites sur un fond bleu avec du foil. Petite marguerite sans foil. J'ai fait ma gymnastique. Des carrés, on va des rectangles. Ça doit faire la taille de... Comment ça s'appelle? Les petites cartes ATC. ATC, il y en a deux pages. Et voilà pour celui-là. Et puis j'ai pris le floral. Comme ça. Alors le floral, alors je ne sais pas si c'est des nouveaux, on ne sait pas sûr. C'est romantique floral et basique pattern. Pattern. Alors il y a du vert. Comme ça. Alors là, ils sont couleur comme ça. Alors ils sont moins chers ceux-là. Ils sont colorisés des deux côtés, mais ils sont moins chers. Là, c'est comme des petites marguerites. Et puis de l'autre côté, c'est des carrés. Flowers. It's not candy. Sorry, but what? You deserve all the flowers in the world. I am so proud of you. It's time to party the night away. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Oh, comme ça. Alors là, il y a des phrases, c'est bien en anglais. I like you so much. Let's go outside. You are my hero. Traveling. Good vib. Ice cream and milkshake. Ah, yes. Ice cream and milkshake. Vivement cet été. Surtout pour ice cream. Ice cream, c'est un crime. J'adore les glaces. L'été, c'est les glaces. Comme ça. Comme ça. J'adore manger des glaces. Comme ça. Comme ça. Ça, les grandes pages comme ça, faut savoir quoi en faire. Hein. I must have flower always and forever. Donc les autres, bah, c'est les mêmes. Hein. Je vous fais pour voir tout le bouquin. C'est exactement les mêmes. Donc ça, c'était la semaine dernière. Pas la semaine dernière, la semaine d'avant encore. Et donc à Cholet, on était le 8. Alors à Cholet, par quoi je commence? Alors hop, je suis arrivée en avance à Cholet quand, mardi dernier. Alors j'avais fait déjà un petit tour dans Action de Cholet, où j'avais pris des petites choses. Alors, je vais vous faire voir les petites choses. Petit sac. On en met quand même pas mal dans les petits sacs. Hein. Ouais. Ouais. Alors, à Action, j'ai acheté du tissu. J'ai acheté deux paquets de tissu rose pour faire une... parce que j'ai un coussin, une sorte d'oreiller, quoi. Pas trop grand. Qui va bien dans le couffin de Lily Rose. Mais il est marron, il est pas beau, quoi. Donc je voudrais faire je voudrais faire un truc en tissu, voilà. Une housse, voilà, je trouve les mots, une housse en tissu et tout rose. Alors j'en ai pris deux parce que j'ai comme ça, comme je connaissais pas trop la taille de mon coussin, j'ai comme ça au moins j'ai les deux mêmes pour faire recto verso. Après je suis pas sûre que c'est moi qui va le faire, hein. Si ça se trouve je vais attendre que ma soeur elle vienne, on fera ça ensemble. Donc j'ai pris ça et j'ai pris un gros paquet de feuilles comme ça
qui doit aller chez mon frère et qui est toujours resté là. En plus, il est passé tout à l'heure. Et puis, bah, comme j'adore tout ce qui est high-tech, j'ai vu ça. Oh, il y a une petite caméra. Oh, bah oui, pour faire des vlogs. Oh, bah tiens, si j'essayais ça. Donc, j'ai acheté ça. Hein. J'ai toujours ma... J'adore tout ce qui est électronique et tout ça. Donc, bah voilà, j'ai craqué. J'ai craqué. Mais normalement, j'avais acheté une micro-carte. Ah bah oui. Je me disais aussi, il manque quelque chose. Bah ouais, parce que j'ai pris la mi. Parce que de toute façon, les caméras qui sont là-dedans, que ce soit n'importe quelle merade, non, n'importe quelle caméra, il n'y a jamais la carte de livrer avec. Donc j'ai acheté une 32 Go, une micro SD pour mettre là-dedans. Alors c'est pas encore déballé parce que voilà, je voulais faire ma vidéo avant de déballer et puis de tester. Et puis j'ai revu ce dice là, alors je l'ai pris. Pourquoi? Je sais pas, je l'ai déjà. Allez donc savoir pourquoi je prends des choses comme ça. Eh, qui sait? Qui sait quand on sait pas? Eh bien, je suis allée donc moi à Cultura et puis en rentrant, j'ai bifurqué sur Chemillé. Donc d'abord Cultura, alors ça c'est pas Cultura, c'est la lettre que j'ai envoyée à mon propriétaire, hein, une lettre de 5 pages. J'espère que ça va bouger un peu, parce que là il y en a ras-le-bol. Oh, bon, ça c'est pour faire compresser les nénés. j'ai pas envie, hein, bon, voilà. Oh tiens, j'ai retrouvé un ticket, oh là 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 là. La matrice de découpe, elle était à 2,49. La caméra, c'est 16,98, la caméra de vlog. Les tissus, c'est 1,99, j'ai pris deux paquets, voilà. Et j'ai pris le papier pour l'imprimante, 2,99. Et la micro-carte pour mettre dans la caméra, 11,95. Ouais, j'ai trouvé! Donc, je vais continuer par mon action. Mais y aurait-il encore un ticket? Donc, on est toujours le 8, hein. On est toujours le 8. Quoique non, si je veux faire dans l'ordre de ma conduite, je suis passé à Cultura. Puis après, on ira à Action. Ah ouais, j'ai décidé. C'est moi qui décide, c'est ma chaîne. À Cultura, j'ai vu des très jolis sacs blancs. Alors, c'est des sacs en coton. Tonton. Alors là, faut que je me méfie parce qu'il y a un sachet anti-humidité, là, il faudrait pas que de style le miam miam. Donc, les petits sacs comme ça. Est-ce qu'il y a le prix là-dessus? Non. Ils font 35 cm sur 39. Je sais pas si je l'ai le. J'ai peut-être pas le. Comment dire? Ticket. El ticketos. À moins qu'il soit là-dedans, mais ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait. Il y a un ticket là-dedans ou il n'y a pas de ticket? Non, j'ai pas le ticket de chez. J'ai pas le ticket de chez Cultura. Bon, il y a un élastique là-dedans. Donc j'ai pris deux. J'en ai pris deux. Un, deux. J'ai pris deux sacs comme ça. Des sacs comme ça, des sacs comme ça. J'en ai pris deux. Parce que je voudrais me faire un sac avec ma Cricut, là, ma Cricut Joy. Je voudrais écrire quelque chose comme sur le sac. Je voudrais écrire quelque chose comme je peux pas, j'ai action ou un truc comme ça. J'ai envie de faire une bêtise comme ça. Très très brode. Je sais pas, je peux pas vous dire le prix des sacs, je sais pas. Là, il y a le prix, donc j'ai pris une fameuse tablette, enfin pas une tablette, j'ai pris le tapis de transport là pour ma Cricut Joy, vu que j'ai fait une bêtise l'autre jour. Je sais pas si je vous l'ai déjà raconté ou pas, donc l'autre fois, donc j'avais découpé sur un tapis comme ça. Et puis après, comme ça, j'avais écrit, avant de découper, j'avais écrit avec la Cricut.
Et puis comme l'encre elle était longue à sécher, je me suis dit tiens, je vais mettre de la poudre à embosser. Donc j'avais laissé mon petit truc dessus, j'ai mis de la poudre à embosser, tic tic tic, et puis je me mets à chauffer avec le heat gun. Sauf que mon ancienne plaque elle s'est mise à s'égondoler. Bah oui, bah voyons, Hélène, quand même, une plaque en plastique, de l'air chaud, très chaud, qu'est-ce que ça fait? Ça gondole. Donc bah, il a fallu que j'achète ça. Il a fallu que j'achète une plaque de transport. 10,99€. 10,99€. J'ai pris des petits stylos qui vont dans la machine. Pour la Cricut Joy, normalement ça va dedans. J'espère, hein? Oui, Cricut and Cricut Joy, d'accord. Donc il y a noir, or et argent, je crois. Noir, marron, gris. Ben ouais, noir, marron, gris, c'est pas or et argent, c'est noir, marron, gris. Et par contre, je sais pas, c'est du. Ouais, c'est de la 0,4 mm. C'est marqué là. Ça, j'ai dû payer ça dans les 8-9€. Hein. Et puis j'ai pris des petits porte-monnaies. Des petits porte-monnaies comme ça. Pareil, je vais pouvoir mettre par exemple un prénom ou quelque chose comme ça dessus. Donc les petits porte-monnaies. Je m'en rappelle plus du prix. Alors c'est du. Ça doit être du lin. Hein. Parce que vu que la couleur, je me demande si c'est pas du lin. C'est pas du coton. Voir c'est du coton jaune. Les petits porte-monnaie ils font 12 par 8,5. 12 par 8,5. Voilà, donc ça c'était chez Cultura. On va poser ça ici. Et puis donc au retour, je me suis fait un petit crochet par chemillé. Donc à chemillé, j'ai pris des grandes serviettes comme ça. Que celles que j'avais pris il y a quelques temps, donc elles sont plus petites. Donc j'ai pris ça. Alors les serviettes de Pâques, c'est 99 centimes. Bah ouais, j'ai mon ticket là. Du coup, j'ai le ticket. Hop, je pose là. J'ai pris. Alors, que j'en garde. Alors, ça, c'est pas pour moi, c'est pour offrir. C'est des autocollants, c'est Princesse Disney. Ça doit être 80, il y en a un qui doit être à 99 centimes et puis l'autre à 89 centimes. Alors peut-être c'est celui-là à 99 centimes, c'est les princesses Disney. Donc je vais pas l'ouvrir parce que c'est pas pour moi, c'est pour offrir à une petite fille. C'est interdit en dessous de 3 ans, bon elle prend 4 ans ou 5 ans, je sais plus. Il sait plus quel âge qu'elle prend, je sais que c'est la fin du mois là. Ça c'est pour moi plutôt, les animaux de la mer. Je suis toujours dans la mer. Hein. Ça se trouve, j'ai déjà acheté des choses comme ça. Hein. J'ai déjà acheté des choses comme ça, si ça se trouve. Donc la mer, il détaille pas, hein, 8 pièces. Alors 8 pièces, 99, alors ça doit être celui-là, 8 plus 3, 99 centimes. Et puis l'autre Disney, c'est 6 feuilles, c'est 89 centimes. Et là, 2 feuilles, 49 centimes. Donc là, c'est pour la petite aussi. Pour la petite Léane. Donc c'est. c'est la. Je sais pas si c'est pour la princesse, ça. Il y a Olaf dedans. Je sais pas trop. Je connais pas grand chose en dessin animé pour les enfants. Je connais ceux de mon époque, mais là, je connais pas trop. J'ai pris une feuille thermocollante comme ça pour faire avec ma Cricut. Donc j'ai pris du rose et puis j'ai repris une bleue comme ça pour faire pour mon sac. La bleue. Qu'est-ce que j'ai pris? Alors les thermocollants c'est 69 centimes. Poupouille. J'ai pris une boîte comme ça. Alors c'est pas vraiment une boîte, c'est un truc comme ça, c'est en bambou, c'est du bois de bambou. Bambou, 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 bambou.
C'est un bac de rangement en bambou de 17 par 15,5 par 11 et c'est 2,62. Donc c'est pour ranger. Ranger quoi, je sais pas, mais c'est pour ranger. Ça me plaisait bien, voilà. J'ai dit, oh, c'est joli, ça me plaît bien, je vais prendre ça. Encore la ligue du cancer. Oh, bah alors. J'ai pris dans le rayon bricolage du Chatterton. De Chatterton, parce qu'on a toujours besoin d'un peu de Chatterton. C'est combien ça, le Chatterton? Chatterton, tu 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 Chatterton, tu 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 Ils appellent ça du ruban isolant adhésif 6 pièces 10 mm par 15 mètres 99 centimes. Donc on a noir, rouge, bleu, jaune et puis blanc et puis vert et jaune. Ça, bah, c'est pour réparer des fois mes rallonges électriques. Quand je vois que ça se dénude un peu, bah, un petit coup de Chatterton. Quand c'est trop dangereux, je change ma je la change quand même. Ma machine. J'ai pris ça, je sais pas pourquoi, mais bon. Oh, tiens, un truc comme ça pour faire coupe ça. Il paraît que ça détend. On va emmener ça à l'hôpital demain. Ah ouais, demain je vais à l'hôpital. Normalement le mardi devrait... Je sais pas. Normalement le mardi je devrais... Non, je sais pas. Je vais à l'hosto. Toto! J'ai pris ça! J'ai pris un diadème. J'ai pris peut-être diadème de lapin de Pâques. Diadème de Pâques, 1,99. Oui! Oui! C'est moi! Pop, pop! Aïe! Il y a l'étiquette qui me tombe dans le nez. Bonjour. Comment allez-vous? Moi, c'est... Que... Oh, bah, et ça... Ça va plus d'un côté. Bon, c'est des petits trucs, hein. Ah, ça tape dans le nez, ça tape dans le nez. Poing. Bon, j'arrête, hein. Non, mais... Alors, bah, ça, c'est pour faire des petites vidéos, hein, vous aurez compris, hein, pour Pâques. Pour Pâques, pourquoi je l'ai pris maintenant? Parce que bah, quand ça sera le moment de Pâques, il n'y aura plus rien. Donc, le diadème, oreille mobile. En plus, je savais pas que moi, que les oreilles bougeaient. Ben non. Ben non. C'est mon aide ménagère qui me l'a dit. Ah ben, Hélène, t'as plus là, puis ça va bouger. Ah bon? Ah ben oui. 1,99. J'ai pris une panière comme ça, et ouais, j'en ai déjà pris une il n'y a pas longtemps. La panière dernière en bambou, boubou, 32 par 25 cm par 15, elle est à 4,29. Parce qu'il faut que je range, hein. Bah ouais, faut ranger. Puis j'ai encore pris un bloc. J'ai pris ce bloc là parce que j'ai vu quelqu'un sur une vidéo, alors je peux plus vous dire qui parce que je m'en rappelle plus, qui a fait un mini album, je crois, ou un album tout court. Avec Retro Vibe, et j'ai trouvé ça génial. Et je me suis dit, bah tiens, pour mes photos d'anniversaire de l'année dernière, si je me faisais un petit album. Oui, mais faut pas faire que de le dire, faut le faire. Donc déjà, j'ai le bouquin. J'ai déjà ça. J'ai acheté les papiers. Et puis je prendrai des notes par rapport à ces tutos pour refaire. Après je ne referai pas forcément pareil à l'identique. Hein. Mais ça m'a donné une idée. Voilà. Donc c'est pareil, hein, c'est recto verso. Mais j'ai trouvé son album super. Je sais plus, c'est Miss. Moi je vais dire des bêtises, c'est mieux pour le dire parce que ça va être des bêtises. Je crois qu'il y a le chiffre 89.
Miss, plus loin, 89. Miss 89. Mais non, il... je sais plus exactement le nom de sa chaîne. Donc là, c'est bien, hein, c'est joli. Bon, il y a les mots en anglais, ça c'est sûr. Hein. Enjoy your gift, nothing but a dreamer. Today is the day. Tiens, ça, je pourrais mettre ça. Head in the cloud. La tête dans les nuages. Ah ouais, souvent la tête dans les nuages. Souvent la tête dans les nuages. Des yux. Et Marguerite, cette année, il y a des marguerites hein, dans les albums. Dans ces albums-là, il y a beaucoup de marguerites. Hein. C'est le fond de, change de couleur, mais il y a les marguerites. Ça, c'est joli avec le soleil comme ça. Alors, les petites bubules. Ça aussi, c'est pas mal. Enjoy very moment, unique. Unique, bah, c'est bien parce que comme ça, en français, unique, ça se dit unique. Oui, discover, funk, unique, the, non, free spirit, je sais pas tout lire, je sais pas depuis combien de temps elle tourne ma cam, Mera, Maca, Mera, hop, oh bah alors, j'ai loupé une page. Vous l'avez fait voir celle-là? Ouais. Et puis, celle du milieu. Trop bien. Et je crois que c'est celle-là, en fait, du milieu qu'elle a pris pour faire la couverture de son album. Et j'ai trouvé ça génial. Ouais, ouais, ouais. Donc, encore des projets, hein. Encore des projets, toujours des projets, mais jamais elle ne fait. Non, 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 non. Elle a des projets, mais ce ne sont que des projets. Jamais elle ne le fait. Et j'ai pris le poteau nounours parce que y a pour faire amuser la Lily Rose. Ma Lily Rose va s'amuser avec un poteau nounours. Un tout petit nounours pour Lily Rose. Alors, ours en peluche assis environ 15 cm. Ouais, c'est moi, je suis le nounours. Il coûtait 1,99€ avec sa petite rose. Qui est normal, c'est parce que c'est pour Lily Rose. Je suis le nounours. Je suis le nounours de Lily Rose. Alors je lui apporte une rose. Voilà, c'est tout. Je vais vous dire à bientôt. Moi aussi, je vais vous dire à bientôt. Voilà.